Reverend Father Robert Cullat is a Catholic priest of the Diocese of Avignon, France. He is also known as Padre Bob. Aside from preaching, he is also an environmental and animal activist, as well as a vegetarian advocate. He loves animals and defends them, and is strongly against factory farming. You may be surprised that Father Robert Cullat is well acquainted with heavy metal music and is a metalhead himself. Father Robert Cullat is the author of various books and wrote his first book, L'Âge du Métal, Age of Metal, in 2007 after coming into contact with heavy metal music. In 2015 he published Méditations bibliques sur les animaux, Biblical Meditations on Animals, after discovering the shocking treatment of factory farmed animals. He also subsequently wrote Le Paradis Végétarien, Méditation Patristique, The Vegetarian Paradise, Patristic Meditations, and Cattle Decapitation, Gore Ecology, 2018. Supreme Master Television was granted the honor of an exclusive interview with Reverend Father Robert Cullat in Paris on 7th December 2020. We will now share with you extracts of this most interesting and enlightening interview. In today's episode, Father Robert Cullat shares more verses from the Laudato Si and the Bible that are quoted in his book, Biblical Meditations on Animals, that distinctly direct humanity to be vegan and to live in harmony with our animal friends. La vision du pape, c'est que l'homme est le prêtre de l'univers et qu'il a une fonction unique, en particulier vis-à-vis des animaux, de faire la volonté de Dieu. Donc vous voyez, par nous, jusqu'au terme commun qui est Dieu, hein, dans une plénitude transcendante où le Christ ressuscité embrasse et illumine tout. Et vous voyez, comme le pape François là, reprend bien Paul. Car l'être humain, doué d'intelligence et d'amour, attiré par la plénitude du Christ, est appelé à reconduire toutes les créatures à leur créateur. Dans la théologie classique traditionnelle, il n'y a que l'homme et la femme qui sont appelés au paradis, au royaume de Dieu. Et qu'est-ce que je lis dans Laudato Si, donc dans l'encyclique du pape François? J'ai relevé deux citations qui me paraissent très fortes. Et encore une fois, là, on sent que le pape, il ne reste pas à cette doctrine classique, mais il va de l'avant. Les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle, parce que le ressuscité, Jésus, les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Un destin de plénitude, hein ? Dit pas le paradis, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Même les fleurs des champs, vous voyez, pas que les animaux, même les fleurs des champs et les oiseaux qu'émerveillé Jésus a contemplés de ses yeux humains sont maintenant remplis de sa présence lumineuse. Deuxième citation, toujours dans Laudato Si, la vie éternelle, et là, voilà, là il parle carrément de la vie éternelle, sera un émerveillement partagé, où chaque créature, donc c'est pas limité à l'homme et à la femme, hein, chaque créature, transformée d'une manière lumineuse, occupera sa place et aura quelque chose à apporter aux pauvres définitivement libérés. Numéro 243. Alors, dans cette vision, où l'homme est prêtre de l'univers, c'est une très belle vision, justement, qui ne nie pas, encore une fois, qu'il y ait une différence entre les animaux humains et non humains, de parler du fameux verset 28
du chapitre 1er de la Genèse. Hein? Parce que c'est ce verset qui a créé une espèce d'incompréhension totale entre les mouvements écologistes et le christianisme. Hein? Je vais vous lire ce verset parce que c'est vraiment le verset qui pose problème, mais faussement. Parce que si on l'interprète dans le contexte du premier chapitre de la Genèse, des deux premiers chapitres de la Genèse et de la Bible, parce que voilà, le contexte il s'élargit, il n'y a aucun problème. Donc je lis ce verset, « Dieu les bénit, l'homme et la femme, et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Alors, soyez les maîtres. L'homme prêtre de l'univers, qu'est-ce que ça veut dire? Ce verset, souvent on le cite seul et on ne cite jamais le verset qui suit. Or, il se trouve que le verset qui suit, c'est le verset dans lequel Dieu donne à l'homme et à la femme le régime végétalien dont on a parlé. Donc si on met tout ça ensemble, on comprend bien que cette domination de l'homme sur les autres créatures ne peut pas être une domination violente, arbitraire, despotique, mauvaise. Ça serait contradictoire dans le texte. Dans les versets qui précèdent 26 et 27, qui sont très très connus, tous les chrétiens connaissent ça par cœur, hein. Le verset 29, personne ne le connaît, mais alors ceux qui sont avant, bizarrement, on les connaît très bien. Voilà. Et qu'est-ce qui est dit? Faisons l'homme et la femme à notre image et selon notre ressemblance. Hein. Donc, si je résume, l'homme et la femme donc, sont rois de la création, mais le mode d'emploi, il est donné de leur royauté. Dieu ne dit pas, vous êtes roi comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Ce n'est pas du tout ça. Vous êtes roi parce que premièrement, vous participez à mon autorité de père créateur, et deuxièmement, vous allez être roi en imitant mon attitude de père. Donc, il est exclu, encore une fois, d'avoir une royauté tyrannique de la part de l'homme. Et le livre des psaumes, qui est merveilleux de ce point de vue-là, nous donne le mode d'emploi de la royauté humaine sur les créatures et sur les animaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu est bon envers les animaux, s'il s'intéresse à eux, s'il les aime, s'il est un père pour eux, si l'homme représente Dieu sur terre, il va devoir agir de la même manière. C'est logique. La plus grande surprise, comme je vous l'ai dit, c'est la découverte de ce verset 29. Enfin, découverte, redécouverte. Isaïe, au chapitre 11, c'est un texte très connu. C'est une prophétie messianique, donc qui annonce la venue du Messie. Et donc c'est un texte qui se conjugue au futur. Par exemple, on dit le loup habitera avec l'agneau, etc. Et dans cette très belle vision d'Isaïe, en fait, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une réconciliation universelle entre les animaux, déjà. Donc il n'y aura plus de violence entre les animaux. Hein. Le lion, il ne mangera plus, il va pas tuer la gazelle pour se nourrir. Mais de la même manière, il n'y aura plus de violence entre les animaux et les humains. Isaïe nous fait contempler un monde réconcilié. Et finalement, c'est vrai que c'est très intéressant de lire ce texte d'Isaïe 11 en parallèle avec Genèse chapitre 1. Parce que Genèse chapitre 1, on a le projet créateur de Dieu au commencement.
Et Isaïe 11 nous montre qu'à la fin des temps, dans le royaume de Dieu, ce sera comme un retour à cette volonté qui était à l'origine et qui malheureusement, à cause du péché de l'homme, à cause du mal, ben, a été voilà, détournée, oubliée, méprisée. Enlightened viewers, it's been a pleasure to have your company for today's words of wisdom.